me présente, je m'appelle Bruno Vangelis et je suis chef de cuisine à Avignon et plus particulièrement à l'Hôtel d'Europe à Avignon. Donc un très bel établissement qui a plus de 200 ans et qui était déjà à l'origine du Guide Michelin dans la première édition. Donc aujourd'hui, nous allons faire une recette en accord avec un vin de la vallée du Rhône et plus particulièrement un vin des Côtes du Rhône septentrionaux, qui est un vin, un Hermitage de Michel Chapoutier. J'ai choisi pour cela, après dégustation, un faux filet Wagyu, donc un faux filet d'origine australienne qui a la particularité d'être persillé vraiment et très gras. Donc j'ai choisi de le faire griller tout simplement. On va le tailler ensuite en aiguillettes. Et également, pour amener un petit côté barbecue qui va être intéressant, de l'assaisonner avec un sel noir fumé. J'ai choisi de l'accompagner de quelques légumes verts assez goûteux, donc un petit peu de pak choy, donc un petit peu de cœur de romaine et également de chou chinois. Alors simplement sauter à l'huile d'olive et on va accompagner cela de quelques condiments, donc quelques citrons confits qu'on a fait cet été justement, ce sont des citrons bio qu'on a mis au sel pendant 24 heures, qu'on a laissé ensuite dans de l'huile de pépins de raisin avec quelques baies, quelques aromates, au minimum pendant 4 semaines. On aura quelques piquillos, quelques olives tagliaches, quelques tomates confites et quelques capres au sel et un petit peu de ciboulette. Donc voilà, tout ce mélange pour arriver à avoir quelque chose de très gourmand, comme ce vin-là, comme tous les vins de la vallée du Rhône, qui sont gourmands et c'est l'esprit qu'on veut donner à ce plat-là. Donc voilà, ce faux filet, on va tailler une belle tranche. Alors on va à peine l'apparer et enlever très peu de gras parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but c'est d'avoir ce gras qui va nous permettre à la cuisson d'avoir une viande qui soit très tendre et très goûteuse. On va séparer quelques feuilles de pak choy. On va prendre quelques feuilles de romaine, quelques feuilles de chou chinois. Donc on va tailler très simplement ces légumes. Alors on va garder bien sûr un peu de côte. C'est ce qui va nous permettre d'avoir à la fois du croquant et les feuilles qui vont amener un peu de fraîcheur au plat. Alors ce sont des légumes comme le pak choy où il y a beaucoup d'eau. C'est un plat qui est assez simple en soi, mais malgré tout, il faut faire très attention de ne pas surcuire les légumes pour avoir justement qu'ils ne rendent pas d'eau et qu'on ait quelque chose de très mou. Donc le but, c'est d'avoir du croquant. Alors on va mettre nos côtes un petit peu à part parce que c'est ce qui va demander un petit peu plus de cuisson. On va pouvoir déjà marquer notre viande, donc très simplement, on va la démarrer sur cette grillade, mais pas forcément très fort, parce que le but, c'est de faire fondre tout doucement cette graisse. Donc, on avait dit qu'il nous fallait un petit peu de capre au sel. On va prendre quelques tomates qu'on a fait confire à l'huile d'olive avec un petit peu de fleur de sel et un petit peu de thym. Les citrons confits, on va uniquement utiliser la peau en fait. Donc très simplement, on enlève sur nos rondelles de citron l'intérieur. Là, comme on vient de passer à l'autre partie, l'autre face de la viande. Donc là, maintenant, je vais pouvoir amener un petit peu de sel. Et donc, ce fameux sel fumé. Voilà. Donc là, vous ne pouvez pas le sentir, mais on a déjà cette odeur de barbecue qui est assez forte et c'est immédiat. Et je rajoute dessus un petit peu de mignonnette de poivre. Donc on a nos citrons
et je vais les tailler en petits dés. Je rajoute ça au capre et tomates. On a quelques olives tagliache. Alors là, j'ai fait un petit saut en Italie parce que c'est vraiment une olive qui me plaît beaucoup et qui a vraiment un goût très particulier. Donc là, toujours dans le même esprit, on fait référence au vin et on a des notes confites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette note confite, on a vraiment du croquant. Donc là, vous voyez tout le gras qui est vraiment sorti de cette viande. Alors je vais la cuire comme je l'aime, c'est-à-dire que je l'aime un petit peu bleu. Voilà, on va la laisser tout doucement reposer près d'une source de chaleur et on va revenir rapidement sur notre condiment. Donc on a nos piquillos, nos tomates, notre citron confit, nos olives tagliache et on va y rajouter un tout petit peu de verre de cébette. À ça, nous allons mettre un tout petit peu de ciboulette et donc pour faire cette petite vinaigrette condimentée, de l'huile d'olive. Alors en huile d'olive, j'ai choisi un fruité mûr, une picholine de fruité mûr de quelqu'un que j'aime beaucoup et d'un moulin qui est pas très loin, qui est dans le Gard. Donc avec à la fois le sel, l'acide et le léger piquant des piquillos, ça va nous faire quelque chose d'assez rond. J'ai fait également un jus de bœuf aussi avec tout ce qui est un petit peu parure de bœuf, un jus assez corsé qu'on aura fait à base d'oignons confits, d'échalotes, d'ail aussi, et qu'on aura cuit pendant quelques heures afin d'arriver à avoir un concentré de goût. Donc notre poêle, une pointe d'huile d'olive, et là, on va pouvoir faire sauter nos légumes. Donc on va commencer par nos côtes. Alors voilà, il faut que ça fume un petit peu, que ça rôtisse. Toujours penser à garder ce croquant, pas rentrer en surcuisson. Alors, je rajoute à ça nos feuilles de chou chinois et nos côtes de sucrine. On va assaisonner légèrement. Alors, le sel aussi, toujours un petit peu à la fin, parce que sur des légumes comme ça, un petit peu comme les épinards, les choses, des légumes verts, très chargé en eau, c'est ce qui va faire rendre l'eau aux légumes. Donc on ne va pas les mettre dès le départ. Et on va terminer avec notre verre de pak choy. Et on va y ajouter un tour de moulin. Voilà, c'est en train de cuire gentiment. On a notre jus qui est prêt. Donc on va dresser notre faux filet Wagyu. On va disposer dans un premier temps nos côtes et feuilles de romaine, pak choy et chou chinois. Alors voilà, on les dispose un petit peu comme ça vient, en essayant de garder toujours un petit peu de volume pour qu'on ait du relief à notre assiette et à notre plat. Alors on n'enlève pas ce gras-là aussi parce que c'est un gras qui est très bon. Alors, on a nos petits condiments comme ça, qu'on va un petit peu disposer pareil, un petit peu comme ça tombe. Notre aiguillette, alors je vous avais dit tout à l'heure que je les aimais bleus. Et on va rajouter sur l'assiette
pour encore exaucer ce goût de fumée, barbecue, ce sel fumé. Et on va terminer avec une pointe de jus un petit peu corsé. Donc voilà, on a notre faux filet de bœuf wagyu simplement grillé au sel noir fumé, côte et feuilles de pak choi, cœur de romaine et chou chinois. Une petite vinaigrette condimentée avec plein de choses, aromates, condiments, qui va amener beaucoup de fraîcheur, un jus corsé et surtout un vin exceptionnel qui va accompagner ce plat. La maison Chapoutier s'est progressivement étendue et diversifiée au cœur des meilleurs terroirs des crus du Nord. En 1990, Michel Chapoutier reprend les rênes de cette maison et convertit l'ensemble du domaine à la culture biodynamique. Les vins font l'objet de toutes les attentions et du plus grand respect. Ils partagent ainsi certaines caractéristiques telles que la recherche de la complexité et de la finesse. Le Meunier de la Sizeranne, un ermitage rouge de la maison Chapoutier en 2011. En bouche, une fraîcheur remarquable, une finesse, un côté féminin étonnant. Des tanins d'une souplesse superbe, une longueur en bouche étonnante. On a des notes de cuir, d'épices, de fruits rouges frais, de fruits des bois un peu noirs. Donc ce vin s'harmonisera parfaitement avec le faux filet de wagyu au sel fumé.